Bonjour Franck-Yvelin. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de La Compagnie. La Compagnie, c'est une compagnie aérienne, je vais dire comme son nom l'indique, qui dessert New York depuis Paris, depuis un an et demi à peu près, et désormais depuis Londres. D'abord, quelles conséquences les événements récents à Bruxelles, à l'aéroport de Bruxelles, peuvent avoir sur votre métier ? Une vigilance accrue, une vigilance de tous les instants. La sécurité de nos passagers, la sécurité de nos personnels sont bien sûr nos priorités de tous les instants. Elles sont également les priorités des autorités avec lesquelles nous travaillons, aussi bien européennes qu'anglaises, françaises et américaines, qui sont particulièrement vigilantes. Toutes les mesures sont prises aujourd'hui dans les aéroports que nous desservons. – Toutes les mesures sont prises, mais elles ne permettent pas de sécuriser à 100%. Toutes les mesures sont prises, mon expérience personnelle fait que j'ai pris l'avion pour New York aller-retour il y a quelques jours. Honnêtement, ce n'est pas très différent de ce qui se passait il y a 2 ou 3 ans, avant que nous n'ayons des attentats de façon aussi répétée et massive en France, en Belgique. – Comme vous l'avez noté, ces terribles événements, et mes pensées vont vraiment très fortement à l'ensemble de nos amis belges, qui aujourd'hui sont dans le deuil et dans la souffrance. Ce qui est arrivé, évidemment, horrible. Pour autant, c'est arrivé en zone publique. Donc c'est encore de ce côté-là, probablement, qu'il y a des efforts et une vigilance particulièrement accrue à avoir. – Est-ce qu'il y a des aéroports modèles dans le monde pour vous? Est-ce qu'il y a des expériences à copier ?– Je pense que s'agissant de zones d'accès public, aujourd'hui, je parle pour les États-Unis, pour la France et pour la Grande-Bretagne, qui sont des régions que je connais particulièrement bien. – C'est vos 3 spots, si j'ose dire. – Absolument, je pense que le maximum aujourd'hui est fait pour travailler en amont, s'agissant des zones publiques. Pour tout ce qui concerne les zones stériles, c'est-à-dire après la sûreté, aujourd'hui, le maximum est déjà fait depuis de nombreuses années, malheureusement. Bon, – et puis évidemment, vous avez eu à gérer la semaine dernière la grève des contrôleurs aériens, mais ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. Écoutez, non seulement on n'y peut pas grand-chose, mais en plus l'impact pour nous et nos passagers a été nul. Donc on a eu un petit retard à gérer en conséquence directe, mais rien de bien grave. Ça donne pas, cette grève ne donne pas forcément une image très positive des aéroports français. C'est toujours très frappant de voir quand on revient en France de l'étranger, et les étrangers qui viennent en France le disent beaucoup, l'aléa des grèves de contrôleurs. L'attente au contrôle des passeports, c'est pas gênant quand on a fondé comme vous une compagnie qui veut taper sur le haut de gamme? Je pense que l'État français a encore des efforts à faire, notamment en matière d'accueil des passagers étrangers à Roissy, qui est la première frontière de France. Il y a encore des efforts à faire. Trop souvent, on voit un seul officier de la police de l'air et des frontières le matin, alors que vous avez plusieurs vols qui arrivent. Pour autant, je mesure énormément mes propos. Vous savez, on attend globalement moins à Paris qu'on attend à New York. – Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors votre projet, votre pari, c'était il y a maintenant presque 18 mois, la création d'une compagnie aérienne, La Compagnie. Avec une particularité, vous ne faites que de la classe business, la classe affaires. – Absolument, du premier au dernier rang dans tous nos appareils, puisque comme vous l'avez rappelé, nous desservons à la fois Paris-New York, mais également Londres-New York, qui sont les 2 routes long courrier les plus denses au monde. Nous n'avons que de la classe affaires. 74 sièges lits dans chacun de nos avions, donc vous ne pouvez pas voyager avec plus de 73 autres passagers. Et donc au bout de 18 mois, le bilan ? Le bilan est très positif. Vous avez combien d'appareils ? 2 aujourd'hui, 2 Boeing 757 en service. Le troisième arrive. Ça fait une compagnie ça, 2 ? Oui, bien sûr. Ça démarre à un appareil. Vous savez, EasyJet a démarré avec 2 appareils. Rien de négatif dans ma question, mais est-ce que, ne serait-ce qu'avec un appareil, on peut appeler ça une compagnie ? Oui, bien sûr. Oui. À partir du moment où vous avez ce qu'on appelle un AOC, un Air Operator Certificate, ou un certificat de transporteur aérien, ce qui est évidemment notre cas. Donc sur aujourd'hui, les premiers bilans de la compagnie, ils sont excellents. Sur la route Paris-New York, nous oscillons entre 70 et 90% de remplissage, suivant bien sûr la saisonnalité, qui est particulièrement forte certains mois d'année, un peu moins forte d'autres mois. C'est un vrai succès pour nous, pour toutes nos équipes, pour les hommes et les femmes qui font voler nos avions au quotidien, mais également pour nos passagers qui nous plébiscitent à plus de 90% et qui cochent en général la dernière case, c'est-à-dire pas seulement satisfait, mais satisfait et recommande. Ce qui pour nous est une vraie victoire. Sur Londres-New York, on est encore quelques points
points en dessous de Paris, ce qui est tout à fait normal puisque nous l'avons ouvert plus tardivement, un an après, en mai 2015 quasiment un an après, et c'est également un grand succès pour nous. La route parisienne est opérée quotidiennement, la route londonienne, elle va passer à 6 allers-retours semaine, elle est encore à 5 allers-retours semaine. On peut gagner sa vie dans ce métier, sur des trajets comme ça ? On le peut. Mmh. J'ai beaucoup d'amitié, d'affection pour tous les entrepreneurs du transport aérien. Marc Rocher, récemment, vient de lancer French Blue. Je lui souhaite bon vent, au pluriel, comme on dit dans notre jargon. Mmh. Évidemment, on le peut. Je pense que… C'est quand même un créneau très disputé. Beaucoup de compagnies aériennes sont… j'allais dire cycliquement, en difficulté, cycliquement, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, et souvent beaucoup de périodes de grandes difficultés. On a vu beaucoup de compagnies aériennes disparaître dans le monde. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez marcher alors que les autres ne marchent pas ? Je pense que nous sommes un marché sur un marché de niche, nous sommes un produit de niche, nous ne sommes pas généralistes. Toutes les autres grandes compagnies aériennes qui ont pu traverser les difficultés, certaines qui en traversent encore, sont des compagnies aériennes généralistes. Nous sommes des spécialistes. À l'instar d'autres spécialistes, regardez EasyJet, regardez Ryanair, je crois que le succès est à notre portée. Sur Paris-New York, c'est déjà acquis. Sur Londres-New York, on y est quasiment également. C'est pour nous une grande satisfaction. Évidemment, nous avons encore du travail et évidemment, nous n'allons pas nous arrêter ni à deux routes ni à deux avions. Bien sûr, vous avez eu sûrement beaucoup d'obstacles à franchir. Beaucoup. Le plus important, le plus dur, le plus comment dire, redoutable de ce que vous avez franchi, c'était quoi ? Je pense que c'est vraisemblablement à la fois la partie lancement qui a été forcément très difficile. Vous passez d'une agence gouvernementale à une autre, mais en amont de tout cela, la levée de fonds, bien évidemment. C'est un business qui est gourmand en capitaux et par définition… Vous êtes propriétaire des appareils ? Je remercie énormément nos actionnaires qui nous ont beaucoup soutenus. Vous êtes propriétaire des appareils ? Vous le premier est en operating lease, en leasing opérationnel. Le deuxième, nous le remboursons. Oui, nous avons fait donc une acquisition. Donc, il a fallu lever beaucoup de capitaux. Vous parlez des agences gouvernementales. Les États ont un rôle très, très important à jouer dans la régulation des lignes aériennes. On entend régulièrement des histoires de distorsion de concurrence pour favoriser telle ou telle compagnie. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'État ? Alors moi, je n'ai pas de problème avec l'État, la Direction générale de l'aviation civile, mais c'est également vrai pour la FAA aux États-Unis, pour le DOT, le Department of Transportation américain, ou la CAA britannique. Tous ces corps d'État nous ont très largement soutenus, nous ont aidés, nous ont accompagnés. Vous avez eu les slots que vous vouliez ? Après, on peut rentrer à certains niveaux de détails. Ouais. C'est vrai que d'une manière générale, mettez-vous à la place d'un opérateur aéroportuaire parisien, par exemple, qui a à peu près 50% de son chiffre d'affaires qui est fait par un seul client. Forcément, il va avoir une relation privilégiée avec ce client. Peut-on l'en blâmer ? Pour autant, je pense que voilà, il faut rester vigilant. C'est vrai qu'on a souvent tendance à résumer le transport aérien en France à Air France, grâce à la compagnie, mais grâce aussi à XL Airways, à French Blue, à Air Caraïbes. On voit que ça n'est pas le cas. Et c'est tant mieux. Et justement, ceux qui tiennent les marchés, les compagnies nationales, vous citiez Air France, mais d'autres compagnies nationales dans d'autres pays, elles vous ont fait de la place sans difficulté ? Vous savez, vous arrivez sur un marché où nous vendons un produit comparable à ce que pratiquent d'autres compagnies aériennes, avec une différence fondamentale. Nous le vendons 2 à 3 fois moins cher. Forcément, les autres acteurs en place, peu importe qu'ils appartiennent à une des 3 alliances, ils n'ont pas spécialement accueilli les bras ouverts. Mais regardez le succès d'une compagnie comme EasyJet, qui est aujourd'hui la 2e compagnie aérienne française. Vous disiez d'autres projets, prochaine route ? Prochaine route, ça sera dévoilé dans quelques mois, ça sera toujours le 3e avion. – Toujours New York comme destination ?– Ça sera toujours le 3e avion et ça sera toujours sur l'Atlantique Nord, voilà ce que je peux vous dire. – Mais pas forcément New York si je comprends bien, merci Francis Vlin. – Merci Nicolas Bétou. –